So basically this month we are deciding to address protests and resistance and addressing the memory of NSAS. How many people fall in for kilo? How many people fall in for kilo? The reason why we're here early today, we came earlier, because we want to have a conversation about what it is to be a student in Nigeria. You know, for the first time, we could bring our hearts into something and put a lot of energy into it. And we were just begging for a better life. All we and wanted was the dialogue. Yeah. Someone, the first person who spoke was talking about smartness amongst those who rule. I disagree with that. They are not smart. Otherwise, you want to, except you want to say, once you are powerful, then you're smart. What they have is power, and what we don't have is power. Bah moi, bonjour, je m'appelle Alain Cassanda, donc je suis réalisateur de documentaires. Je vis à Montreuil, mais je suis natif de Kinshasa en RDC. J'ai fait un film qui s'appelle Coconut Head Generation. C'est un documentaire dans lequel je raconte la manière dont un groupe d'étudiants à Ibadan, la plus ancienne université du Nigeria, organise un ciné-club hebdomadaire. Et avec le temps, se constitue un espace de réflexion, de politisation. Qui va après avoir un impact sur eux et sur un mouvement social qui s'appelle NSARS en 2020, contre les violences policières et la malgouvernance. Bien sûr, donc le titre du film s'appelle Coconut Head Generation. Coconut Head, c'est une insulte, ça veut dire, ça désigne quelqu'un qui a la tête vide et dure, comme une noix de coco. Sauf que les jeunes Nigérians se sont réappropriés ce stigmate pour clamer leur liberté de pensée et leur intelligence, justement, en disant que c'est par leur réflexion et leur volonté d'agir qu'ils vont réformer en profondeur le pays. Il y en a vraiment beaucoup, vraiment besoin, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ciné-club hebdomadaire qui continue toujours à l'heure actuelle. Le film raconte à peu près 3 ans de ciné-club. Moi, j'ai filmé pendant 5 ans. Donc, j'ai fait le choix de garder les thématiques qui me permettaient de raconter finalement l'avant, le pendant et l'après NSARS. Donc, les étudiants abordaient un certain nombre de questions comme la précarité étudiante, la précarité du logement, l'angoisse du chômage qui les attend après les études, avec un taux de chômage des moins de 25 qui est plus de 50%. Il parle aussi des questions fondamentales de sexisme et de patriarcat. Voilà, c'est vraiment des problématiques qui touchent plus près leur quotidien, qui vraiment les affectent, mais toujours en partant du cinéma. Ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce qu'ils ont réussi à créer un espace où le cinéma est au cœur du dispositif, mais les questions de forme et d'esthétique sont reléguées au second plan pour prendre des films, simplement leur capacité à faire réagir et à faire réfléchir au quotidien. En gros, le cinéma dans sa capacité à revenir autrement au réel. Alors, j'ai commencé dans la trame narrative, je commence le film en 2019. 2019, c'était les élections présidentielles au Nigeria. À l'époque, c'était le président Buhari, qui a été d'ailleurs réélu. Donc, c'est une démocrature, moi, ce que j'appelle ça comme ça, c'est les Camerounais qui ont inventé ce terme, je pense. Officiellement, le Nigeria est une démocratie depuis 1999. C'est là qu'ils sont revenus à un régime civil après une succession de régimes de coups d'État militaires dans les années 80 et même un peu avant. Sauf que l'exercice du pouvoir est extrêmement autoritaire.
Et c'est ce que dit à juste titre un étudiant lorsqu'il dit que c'est un régime civil où ce ne sont plus les militaires qui sont au pouvoir, mais leur gouvernance est tellement violente qu'elle dissuade toute forme de contestation et empêche l'émergence d'une vraie opposition et finalement les conditions d'un développement économique au Nigeria. Et c'est ça le contexte politique, c'est la réélection de Buhari, qui d'ailleurs était un ancien militaire qui a été au pouvoir à la faveur d'un coup d'État dans les années 80, qui a notamment jeté en prison Fela Kuti, un des héros de la musique nigériane. Donc c'est le contexte, les élections présidentielles, et le film va aller jusqu'à NSARS donc en 2020 et l'après NSARS en 2021, qui a préfiguré l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui avec un nouveau président qui s'appelle Bola Ahmed Tinubu, qui est du même parti politique que Buhari, donc l'APC, mais qui perpétue la même politique néolibérale qui casse les services publics et aussi avec une même forme de violence politique et sociale. Alors bien sûr, leur SARS, c'est S-A-R-S, c'est Special Anti-Robbery Squad. C'est une unité de la police qui a été créée en 92, au départ uniquement à la ville de Lagos, pour combattre le fléau des braquages à main armée. Donc c'était une unité qui fonctionnait de manière quasiment autonome. Ils opéraient sans uniforme, dans des voitures banalisées, pour pouvoir infiltrer les voyous, quoi, les bandits. Sauf qu'avec le temps, ils se sont eux-mêmes constitués en un groupe de criminels. Dans le sens où ils se sont rendus coupables d'un certain nombre d'exactions, arrestations arbitraires, viols, tortures dans les commissariats et aussi exécutions extrajudiciaires. Et le mouvement NSARS est né d'ailleurs avant 2020. Le hashtag NSARS a été créé en 2017 parce qu'il y a eu plusieurs demandes, plusieurs appels au démantèlement de cette unité-là, mais qui n'ont jamais abouti. Il y en a eu quatre avant le démantèlement effectif en 2020. Sauf qu'en 2020, c'était une vidéo virale dans les réseaux sociaux. On voyait les SARS au sud-est du pays tirer sur un jeune homme devant un hôtel et partir avec, ils l'ont tué, ils sont partis avec son véhicule. La vidéo a été vue des millions de fois, partagée sur Twitter, les réseaux sociaux, et très vite, le mouvement est passé de la toile à la rue. Et il y a eu des centaines de milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue demandant le démantèlement de cette unité-là. Quelques jours après, l'État a accédé à cette demande-là, mais le mal était fait parce que les gens ont fait le lien entre les violences policières et la malgouvernance. May the souls of the departed rest in peace. And together we say no to police brutality. No to police brutality. No to police brutality. No to police brutality. Louder, no to police brutality. No to police brutality. And after this eulogy that is going to be La police est juste la partie visible d'un problème plus structurel. Et à partir de là, les demandes étaient plus précises sur des réformes, notamment sur les questions d'emploi, mais aussi simplement changer la manière dont le gouvernement opère. Et là, l'État s'est senti menacé dans ses fondements. L'armée est intervenue, la police est intervenue, des gens ont été tués donc à Lagos dans un quartier UP qui s'appelle Lekki, devant un péage qui était un lieu de rassemblement, parce que c'était très large, de jeunes. Et là, ça a marqué malheureusement l'arrêt du mouvement, qui a un peu continué sur la toile, mais avec aussi une violence où l'État a banni notamment Twitter. Quelques jours, mais on peut développer ça après. Mais le massacre de Lekki a marqué l'arrêt du mouvement NSARS. C'est vrai que la première inspiration d'NSARS, c'est Black Lives Matter. Parce qu'à ce moment-là, c'était l'indignation après l'assassinat de George Floyd. Et le symbole des violences des violences policières, on peut aussi dire politiques, au Nigeria, c'était SARS. Donc le focus était sur SARS. Mais SARS, ce n'est pas la seule unité de police qui est violente. L'armée est violente. Dans le nord-est du pays, l'armée a tué plus de gens que Boko Haram. Et donc le lien avec l'indignation, le mouvement global sur les violences policières est parti des États-Unis. Alors ce que je trouve intéressant dans le mouvement SARS, c'est que c'est un mouvement qui était inédit dans le sens où il était spontané.
C'est parti d'Internet, sans leader identifié. Donc il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'organisation syndicale, politique derrière le mouvement. C'était un mouvement spontané de ras-le-bol de la jeunesse nigériane et qui était aussi qui ne reproduisait pas les mêmes catégories de classe, de genre et sociale et de religieuse aussi. Donc les gens se retrouvaient avec des demandes communes de réformes structurelles de la gouvernance. Et ça, c'était inédit. Parce que justement le pouvoir divise, notamment en manipulant la notion ethnique au Nigeria. Et pas qu'au Nigeria, dans beaucoup de contextes africains, l'identité est souvent manipulée pour des questions politiques. Même si pendant NSARS, il y a eu un mouvement, il y a eu un collectif, la coalition féministe, qui s'est illustrée par sa capacité d'organisation en levant, je crois, 200 ou 400 000 dollars en 10 jours pour les reverser de manière extrêmement transparente à différents groupes locaux qui manifestaient. En gros, ce qui se passait, c'est que un groupe des gens se retrouvait à un endroit, partageait la localisation sur WhatsApp, sur Facebook, et quelques heures plus tard, une heure ou deux après, il n'y avait plus 100 personnes, mais 1000 personnes, 2000 personnes. Donc les manifestations étaient spontanées, donc impossibles à tracer, à anticiper. Donc les réseaux sociaux ont joué un rôle fondamental. Et ce collectif féministe-là, en levant les fonds sur Internet, a permis de soutenir le mouvement en achetant à manger, achetant à boire, en payant les frais d'avocat lorsque les gens étaient arrêtés, en payant les frais médicaux lorsque les gens se faisaient battre ou tirer par-dessus par la police. Et c'était une aide logistique et politique qui était fondamentalement politique. Et la réponse a été notamment l'interdiction, à un moment donné, de transferts financiers. Même les bitcoins ont été interdits. Un certain nombre de personnalités de ce groupe-là ont été interdites de sortir du territoire. Une avocate a été arrêtée à l'aéroport de Lagos, sans passeport saisi, sans raison apparente, mais on sait que c'était parce qu'elle appartenait à un mouvement féministe. Moi, je n'étais pas à Ibadan, à Lagos, pendant NSARS. Les images qu'on retrouve dans le film, et sans les images, ça aussi, c'est une belle histoire par rapport au ciné-club, c'est Toby Akinde, qui est au générique en tant que chef opérateur aussi avec moi. Toby, c'est un étudiant en droit, à la base, qui a découvert le cinéma à travers le ciné-club. Parce que un des enjeux du ciné-club à Ibadan, c'était de montrer aux étudiants que le cinéma, c'est pas juste du divertissement. C'est aussi un espace où on peut avoir accès à des œuvres qui changent notre perception du monde et qui peuvent nous amener aussi à agir. Et ce qui est beau, c'est que ça a vraiment marché. C'est-à-dire qu'on a créé une communauté de gens de valeur à partir des films et qui ensuite ont participé tous au mouvement NSARS. Et Toby a découvert le cinéma comme ça et il s'est illustré par sa grande curiosité et sa cinéphilie. Il a commencé à programmer. Et pendant que moi je tournais Coconut Head Generation, je faisais aussi un autre film qui s'appelle Trouble Sleep, mon premier film, en 40 minutes tourné à Ibadan aussi, où je raconte la journée d'un chauffeur de taxi, mais qui à la base est diplômé d'école d'ingénieur. Et avant de partir du Nigeria, j'ai offert à Toby ma caméra, la caméra avec laquelle j'ai fait Trouble Sleep. Et c'est lui qui documente les manifestations du coup de l'intérieur en tant qu'étudiant partie prenante. Et donc les images de répression qu'on voit et de manifestations à Ibadan, et c'est aussi intéressant, c'est que quand on tape NSARS sur Google ou ailleurs, les seules images, 99%, 90% des images qui arrivent, c'est des images de Lagos, qui est la capitale culturelle, économique. Il y a très peu d'images du mouvement NSARS, des mobilisations dans les villes secondaires. Et ce que permet le film, grâce à Toby, c'est aussi de visibiliser les autres espaces qui sont parfaitement, enfin, qui étaient tout aussi légitimes à être documentés. Et donc, ça permet ça. Et après, moi, j'étais, même en étant à distance, en contact permanent avec les étudiants. J'ai plein d'amis qui étaient notamment à Lekki le jour où l'armée a tiré. Il y a une séquence du film à la fin où il y a une discussion entre trois personnes. Donc il y a Toby, il y a Obayomi, le photographe, et puis il y a John Paul. Et John Paul, en fait, il était là, en fait, à Lekki pendant que la police tirait. On a échangé le lendemain. Tout ça pour dire que ce film et la manière dont il a été fait illustrent aussi pour moi, même à travers la trajectoire des étudiants, on pourra y revenir aussi, ce qu'ils sont devenus les uns et les autres, ça illustre aussi ce que peut le cinéma. C'est-à-dire créer un espace qui, à la,
qui peut être à la fois théorique, mais qui peut avoir des implications pratiques, dans le sens où il change de perception. Je l'espère en France, quand les gens vont voir ce film, tout d'un coup, ils vont avoir un autre regard sur les jeunesses africaines, tout d'un coup présentés comme des gens érudits, articulés, qui sont capables de penser leurs conditions, et pas juste des candidats à l'immigration. Et du coup, ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Et concrètement, au Nigeria, c'est aussi à travers ce ciné-club qu'une politisation a été portée jusqu'à son terme, c'est-à-dire que les gens sont descendus. Mais il n'y a pas besoin du ciné-club pour ça, mais ça a contribué aussi à ça. Oui, complètement. Et en fait, il y a une séquence du film dans laquelle Aderemi Ojo, donc c'était un leader syndical, raconte qu'il a écopé 2 ans de suspension parce qu'il a organisé une manifestation à la fac pour demander 2 choses assez basiques. C'est le fait que les étudiants puissent avoir leur carte d'étudiant, ce qu'on pourrait attendre d'une administration fonctionnelle. Et il a aussi demandé qu'ils puissent avoir la possibilité de cuisiner dans leur chambre. Donc, c'est des demandes qui ne sont pas subversives du tout. Sauf qu'il y a il a exprimé ça au VC, donc Vice Chancellor, c'est peut-être l'équivalent du président de l'université ou du doyen, qui s'est sentu offusqué que ça soit... Il a pris ça comme un geste insolent, alors que c'est simplement, dans un cadre démocratique, l'expression d'une revendication syndicale. Et pour ça... Il a écopé 2 ans, et c'est pas le seul, il y a d'autres qui ont été suspendus aussi avec lui. Mais tout ça pour dire que l'université, au lieu d'être un lieu qui développe l'esprit critique, est au contraire un lieu qui produit du conformisme et un lieu de répression des idées. Et donc s'exprimer, c'est aussi risquer d'être identifié. Et une des particularités du ciné-club, et peut-être sa chance, c'est qu'il fonctionnait jusque-là sous les radars. C'est aussi pour ça qu'il c'est un lieu d'expression politique, parce qu'il n'est pas identifié par le pouvoir académique comme étant un lieu subversif, parce qu'il n'est pas identifié tout court. Donc les séances sont lieu après les cours, dans un amphithéâtre qui n'est pas occupé, avec la bénédiction du département d'études africaines. Personne du management ne vient, c'est quasiment que des étudiants qui viennent. Les quelques profs qui viennent sont des profs alliés qui ont une pensée critique, et donc c'est un lieu du coup qui est devenu en anglais on appelle ça un safe space, où on peut créer une communauté qui ne reproduit pas les modes de violence et stigmatisation qu'on retrouve ailleurs, comme le sexisme, comme l'homophobie. C'est une espèce de bulle d'oxygène au sein de la fac. Mais ça reste un espace marginal au regard de la violence et du conformisme qu'il y a à l'échelle de universitaire dans le pays et dans la société en général. Les catégories les plus pauvres n'ont pas les moyens d'aller à l'université. Ce sont les classes moyennes qui vont à la fac, dans les facs publiques. Les riches, eux, envoient leurs enfants soit dans les facs privées, il y en a beaucoup au Nigeria, mais aussi à l'étranger. Sauf que c'était le cas jusque-là, parce que l'université publique était encore accessible jusque maintenant. Sauf qu'avec les nouvelles réformes qui augmentent considérablement, on parle de 700% d'augmentation. Et ça dépend des filières aussi. Qui augmente les frais d'inscription, ça écarte une partie de la classe moyenne qui ne peut plus se permettre d'envoyer ses enfants à l'université, parce qu'il y a maintenant des arbitrages à faire. La nourriture coûte cher, l'essence coûte cher, la fac coûte cher, qu'est-ce que je peux me permettre de payer ? Des étudiants sautent des repas tous les jours. 2 repas parfois, ils mangent une fois par jour, les 3. Il y a des questions vraiment dramatiques qui sont posées par la conséquence de l'inflation et des réformes et l'impossibilité de l'exprimer pacifiquement. Parce que dès lors qu'il y a des manifestations, il y a la police qui arrive et même une restriction du droit à manifester. En août, les gens ont pu manifester, mais à Abuja, c'était dans un stade. Ils n'avaient pas le droit d'être dans la rue. À des gosses, pareil, c'était très encadré, des espaces qui sont définis par le pouvoir. Donc même la contestation est définie par le pouvoir. Vous avez le droit de vous plaindre ici, pas là. Donc, et lorsque vous sortez de ce cadre-là, la police est là, l'armée est là. Donc c'est vraiment le cadre dans lequel se trouvent les Nigérians, avec une impossibilité de... Il y avait un manifestant qui disait, comment est-ce qu'on peut demander à un enfant qu'on tape d'arrêter de pleurer ? Donc c'est vraiment la contradiction du pouvoir qui à la fois crée les conditions d'une violence, enfin d'une manifestation, parce que la souffrance est telle, mais en même temps empêche l'expression de cette frustration-là. Et voilà, donc c'est là c'est un héritage colonial qui est très fort. La fac d'Ibadan, c'est une fac extrêmement conservatrice, où on retrouve aussi cette catégorisation qui revient sur le management, revient le management de la fac vraiment revient sur est un héritage colonial aussi, quoi. «
La structure politique au Nigeria elle est assez similaire à celle qu'on retrouve aux États-Unis. Parce que là, en réalité, le monde politique est un monde d'argent. Ce sont des millionnaires, voire des milliardaires qui sont candidats aux élections présidentielles à chaque fois. Et en gros, le pouvoir alterne entre l'APC et le PDP. Ce sont deux partis majoritaires. Après NSARS, on a vu l'émergence d'une troisième force, c'est le Parti travailliste, à la tête duquel se trouve Peter Obi, qui était déjà un type du Serail, en fait, qui était candidat à la vice-présidence en 2019. Il a été le candidat a perdu et comme il n'avait pas la possibilité de devenir le candidat aux élections suivantes, il a fait du football sous plage, quoi. Il a quitté ce parti-là pour aller dans un parti travailliste, sauf qu'il a été perçu alors que c'est un millionnaire, il a une réputation d'être frugal, de pas dépenser dans des sommes, dans l'ostentation, tu sais, dans l'ostentation. Il est perçu comme un candidat intègre entre guillemets, et c'est devenu un peu la figure d'attachement de plein de jeunes qui étaient dans le mouvement NSARS. Ce qui fait que lors des élections présidentielles de 2023, qui pour beaucoup était une espèce d'espoir que à défaut d'avoir changé les choses dans la rue, on pouvait les changer par les urnes, ça a été douché aussi, ce Obi donc pouvait être la personne qui allait incarner les espoirs de la jeunesse nigériane et les traduire en politique effective en étant président. Sauf qu'il y a eu, lors des élections, évidemment, une fraude massive. Il y a des images notamment à Lagos où on voit des voyous à la solde du parti au pouvoir arriver dans les bureaux de vote, partir avec les urnes, les balancer dans les égouts. Ces images ont été tournées samedi par l'agence de presse AP à Lagos au Nigeria. Une scène de panique près d'un bureau de vote. Des hommes armés sont descendus de leur véhicule et ont tiré des coups de feu en l'air pour s'emparer d'une urne contenant des bulletins de vote pour la présidentielle. Il y a des images de résultats qui sont produits, mais on voit la trace du Tipex qui va, mais c'était grossier, qui efface le résultat, on met le truc au-dessus. Il y avait la promesse d'élections transparentes avec un système électronique de transfert électronique et instantané des résultats. Comme par magie et par Internet, ça ne marchait pas. Donc, on est revenu à un système plus pratique pour la fraude. Il y a aussi ce qui est grave par rapport à, et qui constitue un recul par rapport à la beauté d'NSARS. Le pouvoir a aussi eu recours à la manipulation de la dimension ethnique. Alors que c'était complètement absent. La question ethnique, la question religieuse était complètement absente des revendications NSARS. Le pouvoir l'a remise au centre. Peter Obi, qui est quelqu'un qui est un Igbo, à Lagos, il était hors de question qu'un Igbo arrive à devienne gouverneur, par exemple. Et donc, ils ont fait en sorte qu'il y ait eu un vote Yoruba à Lagos. Et donc, la structure politique au Nigeria est clientéliste. C'est pas par le vote qu'un changement peut arriver. C'est vraiment par un mouvement social. Au final, c'est les mêmes questions qui se posent en France, c'est les mêmes questions qui se posent aux États-Unis. Pendant le mouvement de solidarité à la Palestine, qu'est-ce qui s'est passé à Columbia? Minouche Shafik, la présidente de Columbia, a envoyé deux fois la police, qui était inédit. La dernière fois que la police est arrivée, c'était en 68. Donc, ils ont envoyé la police deux fois pour déloger les étudiants en soutien à la Palestine. Là, on va avoir le choix entre Kamala Harris et Donald Trump, c'est la peste ou le choléra, même si on sait que le choléra, ça peut... Enfin, Trump, c'est bien pire que Kamala Harris, mais Harris, pour moi, elle ne représente pas une alternative. C'est une continuité de pouvoir que les Américains avec Biden, notamment sur les questions de la Palestine et du Liban, ça sera pareil. Ça sera peut-être pire avec Trump, mais ça sera pas mieux. Donc on est dans un système où malheureusement, il y a une alternance, mais pas d'alternative sur le plan politique. Et au Nigeria, c'est d'autant plus dramatique que le contexte socio-économique est plus dégradé. Et la violence, du coup, la précarité est beaucoup plus crue. Je ne vois pas, une fois de plus, je ne parle pas en expert, je parle juste en témoin d'une société que j'aime beaucoup, où j'ai des attaches, des amis. Je ne vois pas comment les choses peuvent changer en dehors d'une révolution. Oui, donc l'insurrection, ça ne va pas tout de suite, mais la révolution, elle viendra. En fait, le jour où ça va péter,
ça va saigner. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que là, il y a une dette de sang qui est tellement longue et tellement lourde. Parce qu'une fois de plus, à chaque... Et c'est aussi pour ça que ça ne pète pas encore. C'est parce que les gens réfléchissent à deux fois avant de descendre dans la rue. Parce que concrètement, à chaque manifestation, il y a une répression qui est là. Et une répression qui se solde par des morts. And bad governance, il y a eu des morts. And SARS, il y a eu des morts. Et il y a... Et avec un pouvoir qui dit clairement que c'est le prix à payer si vous descendez dans la rue. So how your papa could why my papa say where your phone, where your laptop? I be confine your old boy, she be serving too. And Après, sur la question de Onija, on dit pas Brutor, on dit Yahoo Boys. Mais oui, c'est la fraude sur Internet. Après, moi, je vais pas. Pour moi, c'est une activité criminelle et qui a des répercussions sur la vie des autres. Il y a deux jeunes Nigérians qui sont en prison aux États-Unis aujourd'hui parce que ils ont fait un. Il y a pas très longtemps, ils ont été extradés parce qu'ils ont fait un chantage. Il y a un mot en anglais. En gros, ils ont trafiqué un compte Instagram. Ils sont fait passer pour une jeune et belle fille. Ils ont réussi à attirer l'attention d'un jeune homme et toute la nuit ils ont réussi à le faire poser nu, à envoyer des photos nues de lui, et dès qu'il a envoyé une photo nue de lui, c'était du chantage. Donne-nous de l'argent, sinon tu auras ça. Et il a envoyé 300 $, il voulait plus, 1000, et le jeune homme s'est suicidé. Parce qu'il avait peur des conséquences en termes de réputation. C'est aussi ça que ça veut dire Yahoo Boy. C'est l'extorsion de fonds, mais c'est aussi, ça peut finir par des drames. Et moi, ce que j'ai voulu montrer dans Coconut Head Generation, c'est aussi définir les jeunes Nigérians autrement que par ces aspects-là. Parce qu'effectivement, il y a des Yahoo Boys, mais il y a aussi des gens qui lisent Gramsci. Et essayer de changer les choses autrement que par la fraude. Il y a des gens comme Fred qui, parce qu'ils n'ont pas de travail, décident de se lever à 5h du matin tous les jours et de conduire un taxi pour gagner de quoi juste manger. Et il y a des gens qui se battent au quotidien en respectant la loi, avec une beauté, avec une poésie. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et le phénomène existe. Et d'ailleurs, le phénomène est instrumentalisé par la police. C'est un des aspects, en fait, du mouvement NSARS, c'était que il dénonçait aussi le profilage des jeunes. C'est-à-dire que les SARS, les policiers en général, dès qu'ils voient un jeune avec des tatouages ou avec un ordinateur ou avec un téléphone, ou généralement un iPhone, ils s'imaginent tout de suite que c'est dans une belle voiture, que c'est de l'argent qu'il a gagné par la fraude Internet. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a plein de jeunes Nigérians, en fait, à Lagos, à Ibadan, ailleurs, qui sont des entrepreneurs, qui créent leur business et qui avancent et qui gagnent de l'argent comme ça. Et donc, en gros, il ne faut pas exagérer le phénomène des brouteurs et des Yahoo Boys qui est réel, mais qui a tendance, comme c'est le cas dans beaucoup de contextes africains, à masquer la forêt. Et au final, ça devient aussi, malheureusement, un des stéréotypes à travers lesquels on appréhende ces espaces-là. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon cinéma, c'est de montrer Nigeria, la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas encore allé filmer là-bas, mais en tout cas, si je vais montrer, parce que la Côte d'Ivoire, c'est aussi le pays des brouteurs, ça vient de là l'expression. Mais c'est montrer ces espaces-là à travers leur beauté ordinaire et leur banalité. Et la banalité, ce n'est pas glamour, mais pourtant, c'est ce qui définit aussi ces espaces-là. Et c'est ça que je trouve important aussi à véhiculer, parce que c'est comme ça qu'on casse les stéréotypes, et aussi, c'est comme ça aussi qu'on politise les questions. Un brouteur ou un Yahoo Boy, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui l'amène à devenir un Yahoo Boy et tout ça. Et poser cette question-là, ça n'exonère pas de la condamnation de cet acte-là. Et moi, je suis dans ma ligne, elle est là. Parce que, les vrais brouteurs, pour revenir là-dessus, parce qu'en fait, les vrais brouteurs, c'est l'État. Alors qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu les mouvements aussi End Bad Governance, il y a eu deux faits qui illustrent vraiment le décalage entre une élite politique et la population, c'est que pendant que les gens ont du mal simplement à se nourrir parce que tout coûte trop cher, le président s'offre un nouveau jet privé et ils construisent pour 13 millions d'euros une résidence au vice-président. Donc voilà les dépenses jugées nécessaires par le pouvoir, alors que les gens ont du mal à manger. C'est ça la réalité. Donc du coup, pour moi, les scammers, les brouteurs, les Yahoo Boys,
ils sont au palais présidentiel, ils sont au Sénat. Les sénateurs nigérians sont les mieux payés du monde. Donc il y a la réalité, elle est là. Donc du coup, parler des scammers sur Internet, c'est vrai, mais c'est comme quand on parlait tout à l'heure des gilets jaunes. La vraie violence, c'est pas celle du boxeur. La vraie violence, c'est celle de Macron et de l'Allemand qui décide de changer un schéma de maintien de l'ordre et qui autorise la bravène qui arrive. Enfin, la vraie violence, elle est là. Elle n'est pas celle de quelqu'un qui se défend. Et donc, c'est aussi comment est-ce qu'on perçoit une réalité. Et je pense que c'est important pour moi en tant que réalisateur de montrer une autre réalité du Nigeria sans nier les autres aspects, mais dire qu'à côté de ça, à côté de la violence, à côté des scams, il y a aussi une classe moyenne, il y a aussi un nombre incalculable de personnes riches, pleines de ressources, et qui sont là et sur lesquelles on ne pose jamais un regard. Et c'est là où moi j'ai envie de mettre ma focale. Parce que ça aussi, c'est une réalité qui existe. Et qu'on rencontre dès qu'on y va, en fait. C'est que le décalage entre l'image qu'on a du Nigeria et la réalité qu'on rencontre est très grand. Il suffit juste d'y passer une semaine et on voit autre chose. Bah, peut-être dire où est-ce qu'on peut retrouver ton film. Ah, je sais pas encore. En tout cas, le film, effectivement, le film sort. Et ça, c'était aussi une vraie bataille. Ça sera l'occasion d'une autre discussion sur la distribution des documentaires en France. Parce qu'il n'y a aucun distributeur majeur que je suis allé voir qui a voulu sortir le film. Donc, du coup, c'est nous, Adjimati Film, notre boîte de prod, qui distribuons le film. On a demandé au CNC un numéro de distributeur pour pouvoir le sortir. Parce que d'une part, c'est un documentaire. Donc, le documentaire, c'est le parent pauvre du cinéma par rapport à la fiction, sous-financé. Et très peu diffusé. Et d'autre part, parce que c'est une fois de plus une question de représentation, c'est un documentaire sur une jeunesse africaine. Et l'Afrique, on s'en fout. Concrètement, les programmateurs, on nous dit qu'ils ne veulent pas les prendre. Il y a peu de films africains, de toute manière, qui sortent en général en France. Et du coup, il y a ça. On part avec plein d'handicaps qui fait qu'on a eu très peu de réponses favorables. Et donc, on se retrouve à le sortir tout seul. Mais on n'est pas seul. On est une équipe de 5 super motivés. Et le film sera dans plusieurs salles en région parisienne, à Paris. Il sort au Grand Action, il sort à l'Archipel, il sort au Méliès, au Luxy, il sera en continuation dans toute la ceinture, la banlieue rouge, là, donc à Saint-Ouen, à Pantin, il sera aussi à Saint-Denis, et en province, il va être à La Baleine, à Marseille. Et bref, il faut juste aller sur Allociné et les sites de cinéma pour savoir dans quelle ville il sera. Et donc, on se bat pour le faire circuler.